Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui une nouvelle leçon de lexique intitulée Les mots à plusieurs sens. Prenez vos manuels à la page 93. Avant de commencer, lis ces deux phrases. Que remarques-tu? Mon frère étudie le droit, il veut devenir avocat. Pour déjeuner, maman a préparé une salade d'avocat. En lisant ces deux phrases, j'ai remarqué que le mot avocat est employé dans ces deux phrases et qu'il a des sens différents selon chaque phrase. J'observe et j'élabore. L'étang est couvert de glace. Kayel mange une glace à la vanille. Xavier se coiffe devant la glace. On va répondre aux questions suivantes. Observe ces phrases. Quels mots se répètent dans toutes les phrases? Les mots qui se répètent dans ces trois phrases, c'est le mot glace. A-t-il le même sens dans toutes les phrases? Non, il n'a pas le même sens dans toutes les phrases. Que peut-on dire à ce mot? Il s'agit d'un mot à plusieurs sens. Question numéro 5. Qu'est-ce qui te permet de reconnaître les différents sens? On peut reconnaître les différents sens du mot selon la phrase ou bien le texte. Je retiens, un mot peut avoir plusieurs sens. C'est le texte autour de ce mot qui nous renseigne sur le sens utilisé. Par exemple, le mot glace, j'ai trois sens. Le premier sens, c'est eau gelée. Deuxième sens, c'est crème aromatisée. Troisième sens, c'est miroir. On va passer à faire des exercices. Je m'entraîne. Lis exercice numéro 1. Lis les sens des mots suivants et précise de quel sens il s'agit dans les phrases. Poulie, sens 1. Une nuit, lisse. Sens 2, bien élevé, courtois. Phrase A, Jamel est respecté par tous ses amis car c'est un enfant poli. Sens 2, bien élevé. La période de la pierre polie est une période de la préhistoire. C'est le sens 1. Exercice numéro 2 indique de quel sens du mot verre il s'agit. Verre, récipient pour boire. 2. Matière transparente. 3. Contenu d'un verre. Phrase A. Ce beau vase en verre est très cher. Ici, je parle de la matière transparente. C'est 2. Pauline a bu 2 verres de jus de pomme. C'est le sens 3, le contenu d'un verre. Maman n'est pas contente car les enfants ont brisé un verre en cristal. C'est le sens 1. Exercice numéro 3. Associe à chaque exemple le sens du mot pièce qui convient. Marc a 2 pièces d'un euro. Ses vêtements sont pleins de pièces. Cette pièce de Molière est remarquable. Notre appartement comporte 5 pièces. L'autre partie, partie d'un local. Histoire jouée par les comédiens.
Objet qui sert de monnaie, morceau de tissu cousu. Phrase A, marque à 2 pièces d'un euro. C'est, on va relier avec objet qui sert de monnaie. Ces vêtements sont pleins de pièces, morceaux de tissu cousu. Cette pièce de Molière est remarquable, histoire jouée par des comédiens. Notre appartement comporte 5 pièces. On va relier avec partie d'un local. Exercice numéro 4. Lis chaque phrase, puis écris une nouvelle phrase dans laquelle le mot en gras aura un autre sens. Règle. Le premier sens, instrument qui sert à tracer des traits. Deuxième sens, indication que l'on doit suivre. J'ai 3 phrases ici. Malek se sert de sa règle pour tracer un triangle. J'appuie sur le bouton pour obtenir un ticket. Phrase numéro 3. La souris de mon ordinateur ne marche plus. La première phrase, c'est ce jeu a des règles à suivre. À suivre. Deuxième phrase, j'ai perdu le bouton de ma veste. Le chat chasse la souris. Mes chers élèves, fin de séance, à la prochaine, Inch'Allah.